je m'appelle Daniel Prieux. J'ai 85 ans. J'étais acheteur dans la grande distribution. Produits non alimentaires et non alimentaires. Ici, ça fait... je suis dans ma deuxième année. Je suis soigné, je suis suivi. On évite à chaque fois les catastrophes. Mais c'est dur parce que je suis au milieu des malades et des forts malades. Mais... moi, je suis malade. J'ai des maux de tête, des hallucinations. Toute ma vie repasse. Je rêve la nuit. Après, je saute du lit sans le savoir. Et puis, je me retrouve dans la cour. Et maintenant, le sachant, il me ramène. Il faut savoir encore. Moi, je souhaite une seule chose, c'est de garder ma tête, quoi. Et puis. Daniel Prieux est atteint de la maladie d'Alzheimer. Il vit aux Parentèles, dans le quartier Cerné de Reims. Vous vous installez où vous voulez. Un EHPAD spécialisé dans la prise en charge de la maladie. Chaque jour, il profite de l'attention des soignants et de l'équipe d'animation. Parmi la centaine de résidents, Daniel est l'un des seuls à avoir conscience de sa pathologie. Qu'est-ce qui se passe maintenant, là? Je n'ai plus en tête. Vous avez en tête, ça? Oui. Pour ici, tout de suite. Ben, je crois que c'est là, une parite. Quoi? Non, ben, je dis rien, mais... C'est encore la musique? C'est-à-dire que c'est à mon avis. Oui. Mais. On va voir. Vous voyez, ça commence. Dans cet EHPAD, tous les résidents n'en sont pas au même stade de la maladie, mais tous présentent des troubles de la mémoire et de l'autonomie. La maladie, finalement, chacun la gère différemment. Chacun a son histoire, chacun a son environnement. Ça touche vraiment la personnalité, ça touche aussi le caractère. Et donc, voilà, on va avoir des comportements en tous les cas, et puis de la gestion de la maladie qui va être différente d'une personne à l'autre. Pour tous les malades, tout a commencé par des symptômes légers, des petits oublis. Est-ce que vous pourriez me donner la date du jour, s'il vous plaît? Ah oui, alors le 31 janvier 2024, nous sommes mercredi. D'accord. Et la saison? Donc l'hiver. Est-ce que vous connaissez le nom de l'endroit où nous sommes? L'hôpital Maison Blanche. Qui se trouve dans quelle ville? À Reims. Donc là, récemment. Alors... Les réponses à ces questions peuvent paraître évidentes, pas pour les malades d'Alzheimer. Est-ce que ça vous pose souci de suivre une recette? Non, non. Du moment que j'ai une recette, je n'ai pas de problème. Okay. Voilà. Est-ce que vous avez parfois l'impression de chercher vos mots? Chercher les mots, non, ça va encore. Non. Oui.